depuis quand on est dans le groupement, les clubs jouaient tous les plus hauts classements. Les clubs avaient leurs joueurs. Donc nous, on ne va pas à la guerre avec eux. On a dit qu'on avait besoin de joueurs. C'est sans eux qui les payent. Il y a les menaces de sanctions, il y a les menaces de résiliation de contrat. Donc on laisse les garçons repartir dans leur club. Ils dorment avec nous, ils mangent, ils récupèrent, mais ils partent dans leur club. Donc il y a des présidents de clubs qui nous appellent, qui sont pas contents, qui vont suspendre des joueurs. Mais bon, après, quand vous savez que l'État donne suffisamment d'argent au club pour le programme formation, pour aider les clubs devraient en retour pouvoir aider l'État. Et le seul utilisateur de joueurs de football dans ce pays, c'est l'équipe nationale. Donc vous comprenez que le jeu, les clubs ne jouent pas les nationaux.